Chaperon rouge de Bethan Woolvin. Le titre est ici, Chaperon rouge. Le nom de l'auteur ici. Et l'éditeur se trouve à l'arrière du livre, Albin Michel Jeunesse. Il y a une dédicace à Chris, Jim et toute ma famille. Je n'y serais pas arrivée sans vous. Chaperon rouge. Un jour, sa maman appela le petit chaperon rouge. « Voudrais-tu aller porter un gâteau à ta grand-mère qui est un peu malade ?» lui demanda-t-elle. Aussitôt, le petit chaperon rouge se mit en chemin et pénétra dans la forêt, au cœur de laquelle se trouvait la maison de sa grand-mère. Elle rencontra bientôt un loup. « Où vas-tu ? » gronda-t-il. Ce qui aurait pu faire peur à certaines petites filles, mais pas à celle-ci. « Chez ma grand-mère qui est un peu malade, » répondit le petit chaperon rouge. « C'est vrai ? » dit le loup. Et il imagina un plan. Le loup salua le petit chaperon rouge, emprunta un raccourci à travers les arbres et arriva chez grand-mère. Pas de chance pour grand-mère. Après avoir mis les lunettes de grand-mère et enfilé l'une de ses chemises de nuit, le loup grimpa dans son lit. Puis, il attendit. Le petit chaperon rouge arriva bientôt devant la maison de grand-mère, dont elle trouva la porte ouverte. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Et ce ne fut pas grand-mère qu'elle vit, mais un loup très mal déguisé qui attendait dans le lit. Ce qui aurait pu faire peur à certaines petites filles, mais pas à celle-ci. Elle imagina un plan et entra. Bonjour, grand-mère, dit le petit chaperon rouge en faisant semblant de ne pas reconnaître le loup. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles! Oh, grand-mère, que vous avez de grands yeux! Oh, grand-mère, que vous avez de grandes dents! Eh bien, ma chérie, répliqua le loup. C'est pour mieux te manger. Et le loup bondit, ce qui aurait pu faire peur à certaines petites filles. Mais pas à celle-ci. Pas de chance pour le loup.